Alors, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Hamid Aït Abderrahmine, qui nous vient de Belgique, qui est directeur général adjoint du Centre de recherche nucléaire de Belgique, du SCK-CEN, et directeur du projet MIRA, dont il va nous exposer les objectifs. Monsieur Abderrahmine, je vous donne la parole. Merci, Monsieur le Président. C'est un grand honneur pour moi d'être ici et d'essayer de vous éclairer sur le projet MIRA et l'état d'avancement, puisque je crois que le projet est connu pour l'Office, puisqu'on vous a accueilli chez nous il y a quelques années. Et c'était un plaisir de discuter avec une équipe que vous avez réunie autour de vous, qui maîtrisait tellement bien ce sujet. Donc MIRA, avant toute chose, c'est une grande infrastructure de recherche que la Belgique veut développer dans un contexte européen et qui s'adresse en premier lieu aux technologies du nucléaire du futur à spectre rapide et sur la problématique des déchets nucléaires, qui est un problème posé sur notre table, qu'on veuille continuer le nucléaire comme en France, et nous sommes contents qu'il y ait des pays comme ça, ou des pays qui se posent des questions philosophiques comme en Belgique, qui ne savent pas d'où viendra leur électricité, mais veulent arrêter le nucléaire. Mais bon, nul n'est parfait. Alors, comment ça marche ici? En bas? Voilà. Donc, comme il a été dit, le nucléaire, si on veut qu'il soit présent dans le futur, il doit répondre à ses problèmes primaires. La problématique des déchets nucléaires, vous savez que, par exemple, en Belgique, on n'arrive pas à faire prendre la décision sur le stockage géologique, même si on a des solutions techniquement acceptables. Sur le long terme, effectivement, la gestion de la ressource est quelque chose d'important et l'amélioration de la sûreté et du risque de prolifération sont les choses à maîtriser, mais ça, on ne va pas perdre du temps là-dessus. Vous le maîtrisez assez bien, ça a été dit par tous les orateurs précédents. Non, quand on regarde sur l'international, l'Agence internationale de l'énergie, ce qu'elle dit sur le nucléaire, notamment pour le nucléaire du futur, avant toute chose, il faut investir dans la recherche et le développement. C'est le premier grand message qu'il faut qu'on retienne là-dedans. La deuxième chose, c'est que le nucléaire du futur, c'est justement les réacteurs rapides et la fermeture du cycle du combustible. C'est aussi très important. Et troisièmement, il ne faut pas qu'on laisse ces développements seulement au niveau de la R&D et ne pas impliquer les industriels avec nous dès le départ. Parce qu'il ne faut pas inventer des solutions qui n'intéressent pas le déploiement industriel. Pour ce qui est du dossier de MIRA, nous avons pu le positionner. Il y a un petit problème avec le rapport Esprit qui devait apparaître à gauche du transparent. En 2010, ça a été une année assez particulière pour le projet MIRA, parce qu'il a été sélectionné par l'Union européenne sur la liste Esprit, les grandes infrastructures de recherche à développer pour l'Europe. Il est repris aussi sur le plan de l'énergie dans, je dirais, la plateforme technologique SNETP. Et ce que nous voulons de notre côté, c'est que pour le nucléaire du futur, ce dont on a besoin en Europe occidentale avant toute chose aujourd'hui, c'est des réacteurs de recherche à spectre rapide pour faire tout le développement dont on a besoin, un outil expérimental à spectre rapide et flexible et un besoin primordial. Aujourd'hui, il n'y en a qu'une telle infrastructure en fonctionnement dans le monde, c'est Bor 60 en Russie. Et on fait tous la file pour faire des irradiations dedans. Pour la problématique des déchets, je ne vais pas revenir sur ce graphique, vous le connaissez très bien, mais qu'est-ce que nous voulons faire avec MIRA? Ce que nous voulons, c'est une démonstration du concept ADS qui peut être utile dans une logique à double strate qui retraiterait les déchets nucléaires, je dirais, en dehors du circuit de production d'électricité. Mais
En fait, la décision, ce n'est pas seulement une décision technique, c'est aussi une décision économique. Et pour pouvoir répondre à cette question, nous pensons qu'il est absolument nécessaire de faire une démonstration à une échelle qui puisse permettre la projection à l'échelle industrielle de cette solution. Et c'est pour cela que nous visons avec MIRA une échelle autour de 100 MW thermiques pour le réacteur sous critique, avec un accélérateur qui aura toutes les caractéristiques nécessaires pour pouvoir projeter la machine industrielle. D'autre part, comme il a été dit, dans les filières à spectre rapide, il y a effectivement la référence qui est le sodium. C'est ce que nous avons dans notre plateforme technologique SNETP et dans l'initiative industrielle dans laquelle nous sommes associés avec nos collègues du CEA. Astrid, c'est le prototype industriel, la technologie la plus avancée. Et nous avons, puisqu'il ne faut pas mettre ces œufs dans le même panier, nous avons quand même dit qu'il faudrait travailler sur des technologies, je dirais, de backup, entre autres le gaz à spectre rapide et le plomb ou plomb bismuth. Et MIRA serait, je dirais, pourrait jouer le rôle d'un prototype technologique pour la filière au plomb. Et en réalité, ce que nous disons, c'est que la contribution à la démonstration du plomb pourrait être faite grâce à MIRA, puisque aujourd'hui il est conçu de pouvoir fonctionner en critique ou en sous-critique. Mais d'autre part, pour pouvoir travailler sur une filière à industrialiser, il faut crédibiliser la filière à long terme. Donc c'est pour cela que nous disons qu'un autre objectif que nous fixons dans cette démonstration pour le plan Amira, c'est de démontrer que c'est une alternative crédible, je dirais, à côté de la filière sodium. Et d'autre part, je crois que dans le propos de M. Béard, on a vu que le problème du bismuth, de la rareté du bismuth, etc., ferait qu'on doit passer à la filière au plomb. La filière industrielle, on doit passer au plomb. Mais la démonstration technologique au plomb bismuth, je veux dire, nous permet de le faire plus rapidement, vu les températures de fonctionnement de ce caloporteur. La température de fusion, c'est 123 degrés, à comparer à 370 degrés, j'allais dire 370 en belge, du plomb pur. Mais la température d'ébullition de ce caloporteur, c'est 1700 degrés. Donc la marge qui a été dite est effectivement par rapport, je dirais, à la sûreté intrinsèque pour la chaleur résiduelle, la marge est encore plus grande dans le cas du plomb. Et les problèmes de corrosion, naturellement, ils doivent être maîtrisés. Alors MIRA a été conçu au centre de Mol pour être en fait une machine d'irradiation qui remplacerait notre grand réacteur de recherche qu'est le BR2 aujourd'hui. Et comme, je veux dire, nous ne voulons pas reproduire ce qui est fait chez nous depuis 62, où aujourd'hui on construit le RJH à Cadarache, nous sommes partenaires du RJH, nous n'allons pas reconstruire un deuxième RJH à Mol. Donc il faut construire quelque chose qui est utile sur l'international. C'est pour cela qu'on a choisi d'être avec un spectre rapide expérimental qui aura la même flexibilité qu'a aujourd'hui le BR2 et qui va élargir le portefeuille de recherche que nous faisons dans notre réacteur BR2. Alors, ce projet a été soumis régulièrement à une évaluation internationale et notre gouvernement a pris la décision en 2010 après avoir demandé une évaluation, je dirais, indépendante à l'Agence de l'énergie nucléaire de l'OCDE, et Thierry a dirigé ce groupe qui a fait l'évaluation, qu'on a appelé le MIRT, MIRA International Review Team. Ici, le résumé des conclusions a été que MIRA pouvait répondre au cahier de charges qu'on s'était donné.
Néanmoins, ce comité nous a aussi donné certaines remarques de faire attention à certains risques technologiques qui étaient encore présents dans notre projet. Et c'est pour cela que le gouvernement, donc MIRA, pour illustrer, c'est un réacteur sous critique de 100 MW, entre 65 et 100 MW, ça dépend des configurations, c'est une machine expérimentale, et qui est piloté par un accélérateur linéaire qui délivre 600 MeV d'énergie et 4 mA de courant. Donc c'est un accélérateur très puissant, mais c'est des accélérateurs comme ceux qu'on trouve aujourd'hui à SNS, à Oak Ridge, ou bien le J-Park au Japon. Et c'est des technologies où les meilleurs sont les Européens. Et entre autres, nos collègues de l'IN2P3, avec qui nous sommes en cheville pour le développement de cet accélérateur, ou nos collègues du CEA, de la DSM. Il faut savoir qu'en Europe, on a des champions. Et ça, il faut qu'on en soit conscient. Et c'est le message qu'on aimerait donner à nos politiciens. Nous avons les compétences dans tous les différents domaines de technologie. Ne nous laissons pas dépasser par les Chinois, les Indiens ou quiconque. Nous avons les billes en main pour pouvoir être les premiers de la classe. Alors, MIRA va répondre à un certain nombre de défis, que ce soit pour la fission, pour la fusion, la recherche fondamentale, les énergies renouvelables, en produisant du silicium dopé, ou pour la santé, en faisant des radioisotopes. Pour tous ces défis-là, MIRA peut apporter une partie de la solution, et elles sont listées ici, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vais vous donner le calendrier d'aujourd'hui pour MIRA. Donc nous sommes dans la phase 2010-2014, suite à l'évaluation de l'OCDE, le gouvernement belge a pris la décision de financer MIRA à hauteur de 40%, et il nous a accordé un premier budget pour cette période 2010-2014, au-delà de ceux qu'on utilisait en interne, de 60 millions d'euros pour répondre à ce qui est là devant vous, minimiser les risques technologiques, que ce soit pour l'accélérateur, la cible de spallation ou le cœur sous critique. Deux, il faut garantir que cette machine sera autorisée par l'autorité de sûreté, donc obtenir un premier avis positif pour 2014. Et trois, nous devons sécuriser une gestion du projet de façon performante et d'autre part garantir que le consortium sera établi pour 2014. Donc l'engagement belge est pris en 2010 pour 40% du projet. C'est ce que vous voyez sur ce graphique, je dirais la petite montagne en gris clair, et la contribution complémentaire, nous devons l'assurer à travers l'international. Et donc, le gouvernement, en prenant cette décision, a donné aussi donc cette enveloppe, comme je l'ai dit, de 60 millions. Et finalement, certaines personnes nous font la remarque, mais peut-être que c'est un gros projet pour un petit pays comme la Belgique. Finalement, ma foi, ce n'est que 32 millions d'euros par an à dépenser. Je tiens à dire que la Belgique dépense 1,1 milliard d'euros par an pour sa compagnie ferroviaire. Donc 32 millions par an, je dirais, ce n'est pas la mer à boire. Alors, le consortium, comment nous le voyons pour la première phase qui est celle de construction de MIRA. Aujourd'hui, la Belgique est le premier investisseur à hauteur de 40%. Nous pensons que parce que nous voulons garder une dimension européenne au projet, nous visons une participation à hauteur de 30% de l'Europe entre les pays membres et la Commission européenne elle-même. Ensuite, nous regardons vers l'Asie, d'où nous pensons pouvoir avoir 20%, nous voulons limiter à 20% pour garder la dimension européenne au projet. Et il y a d'autres pays avec lesquels nous sommes en négociation, tels que le Japon, les États-Unis ou le Kazakhstan. Enfin, une fois construite,
Cette machine sera une grande infrastructure, je dirais, ouverte, dans laquelle il y aura des programmes qui seront exécutés pour les membres du consortium, où l'information sera limitée mais partagée entre les membres du consortium. Il y aura de l'information ouverte pour autour de 25% des travaux qui seront faits dans cette infrastructure, qui est liée au fait qu'il y aura une partie de financement européen, et il y aura une information partagée sur des projets de recherche de collaborative, qu'on appelle ça, qui seront entre des partenaires qui financent cette recherche-là. Enfin, il y aura une partie qui sera purement commerciale et industrielle, ce sera de la recherche fermée, et là, je dirais, les résultats seront seulement à ceux qui ont payé cette recherche. Donc, l'avantage d'être dans les pays qui ont participé à l'investissement, c'est ce qui est dans la petite boîte en haut à droite, les bénéfices pour les membres du consortium, c'est qu'ils auront le droit de définir le programme de recherche, les fractions entre les quatre types d'activités, et aussi le contenu, si jamais on fait un revenu commercial supérieur, ben le droit de tirage pour les pays, pour les membres fondateurs sera moins coûteux. Le consortium aujourd'hui, ou plutôt je dirais le réseau de participation dans le projet MIRA est assez large. Nous avons dans le deuxième cadre les industriels européens qui aujourd'hui sont acteurs avec nous. Nous avons les centres de recherche européens qui sont aussi partie prenante dans la R&D que nous menons. Et puis nous avons aussi un fort réseau d'universités parce que, comme il a été dit, n'oublions pas que nous avons besoin d'une nouvelle génération de chercheurs, d'ingénieurs qui connaissent quelque chose dans le nucléaire si on veut conserver cette option ouverte pour le futur. Donc nous avons établi dès le départ un grand réseau de collaboration avec les universités. Et au-delà de l'Europe, c'est la première colonne. Vous voyez les institutions de Corée, Japon, les États-Unis, la Chine et le Kazakhstan avec qui nous sommes en discussion et en collaboration. Pour rejoindre le projet MIRA, c'est très simple. Le gouvernement belge a clairement dit qu'il ouvre le projet à la collaboration internationale et une participation, je dirais, au projet, soit en nature ou bien de façon financière, est quelque chose qui est, je dirais, attendu. Jusqu'à la fin 2014, notre objectif, c'est de collecter des lettres d'intention de participer au projet d'ici le milieu de l'année prochaine. Et nous avons signé des protocoles d'accord avec différents partenaires, je dirais, de recherche, parce que nous savons très bien que les pays ne vont pas mettre de l'argent seulement chez nous, mais s'appuieront sur des acteurs nationaux qui feront des contributions en nature vers cette grande infrastructure. Donc notre objectif est d'avoir ces lettres d'intention pour pouvoir finaliser le cadre légal que nous proposerons à cette grande infrastructure de recherche pour fin 2014. Je termine là-dessus en vous montrant ce que sera l'infrastructure MIRA sur le site de MOL. Et je voudrais rajouter une chose. Cette technologie du nucléaire du futur, nous pensons qu'elle se fera dans une collaboration internationale. Et surtout, la séparation et transmutation, c'est quelque chose où on a besoin de plusieurs briques. Il a été dit tout à l'heure, on a besoin d'un atelier au-delà d'Astrid, un atelier de retraitement avancé ou un atelier de fabrication de ces combustibles avancés. Nous avons besoin peut-être d'un transmutateur dédié et je crois que tous les développements actuellement en cours, c'est des éléments de recherche qui vont définir finalement la filière d'industrialisation. Et bien, la Belgique apporte sa petite pierre à l'édifice de cette technologie en proposant un tel projet à notre communauté internationale et plus particulièrement à la communauté nucléaire de l'Europe. Merci beaucoup.
Merci, Monsieur Hamid Aït Abderrahim, pour tout le travail que vous faites avec vos équipes à Mol, en Belgique. Hein, vous êtes presque mon voisin depuis le département du Nord. Et en tout cas, vous avez bien fait de souligner que nous disposons en Europe d'une avance dans le domaine des recherches les plus avancées et qu'il faut conserver cette avance parce que nous avons des concurrents redoutables, notamment en Asie, qui veulent bien entendu prendre la direction des opérations. Alors, je vais maintenant donner la parole à l'orateur suivant. Je vous le signale, je serai amené à m'en aller parce que j'ai un train qui m'attend et c'est Bruno Sido qui va reprendre la présidence qu'il avait assumée ce